de votre sympathie, de votre amitié, de votre affection. Merci à toutes les personnalités ici présentes. Je ne vais pas essayer de les nommer, car je sais que j'en oublierai. Mais je veux m'adresser spécialement à vous, monsieur le député-maire, qui, avec toute votre équipe, avez organisé cette magnifique cérémonie. Jamais je n'aurais imaginé un tel honneur, ni une telle marque de sympathie. Et j'en suis profondément touchée. Merci à toi, Françoise. Malgré tes problèmes de santé, tu as sans hésiter accepté de venir me remettre cette Légion d'honneur. Toi, la déportée. Toi, la résistante de la première heure, plongée avec toute ta famille dans la lutte. Tu es celle que je pouvais le plus souhaiter, celle avec qui je partage le même souci de la transmission du souvenir aux jeunes générations, celle avec qui les liens sont très forts. Merci du fond du cœur. Merci enfin à ceux et celles qui voulaient m'obtenir cette décoration, qui ont constitué le dossier, l'ont poussé et soutenu jusqu'à obtenir gain de cause. Aujourd'hui, c'est leur travail qui est récompensé et leur persévérance. Cette Légion d'honneur, je voudrais la dédier d'abord à la longue lignée d'hommes et de femmes qui, génération après génération, m'ont transmis les valeurs qui ont animé toute ma vie. Je pense à mon arrière-grand-père, instituteur à Fontenay-lès-Louvet près d'Alençon, qui, en 1870, a soigné un mobile blessé qui refusait d'être fait prisonnier. Il lui a fourni des vêtements civils, permis de fuir. Mais les Prussiens sont venus, ils ont fouillé la maison et trouvé l'uniforme taché de sang. Ils ont emmené mon grand-père, ligoté et caché au fond d'une carriole. Ils avaient pour projet de le fusiller une fois arrivé en Allemagne et en parlaient librement entre eux sans se douter qu'ils comprenaient parfaitement leur langue. Passé la frontière alsacienne, ils ont relâché leur surveillance et tandis qu'ils étaient attablés devant un beau repas, mon grand-père a réussi à s'enfuir. N'a-t-il pas été le premier résistant de la famille? Je pense à mon papa, rescapé de la guerre 14, où il avait fait 3 fois Verdun, où il avait été gazé, et qui, dès 1940, s'engageait dans la résistance, avec l'appui et le soutien total de maman, farouchement anti-nazi. Lui aussi était titulaire de la Légion d'honneur, dont il reconnaissait, comme vous l'avez dit, qu'une moitié revenait à maman. Tous les deux ont accepté de comprendre combien, malgré mon jeune âge, je partageais leur idéal et combien je voulais partager leur combat. Ils ont eu l'immense courage de l'accepter. Ils m'ont fait confiance et m'ont associé à leur lutte. D'autres aussi l'ont fait. Comment ne pas évoquer Marsouin, notre chef André Masvide, me regardant droit dans les yeux avant de m'envoyer en mission, comme une adulte, avec la responsabilité d'une adulte, croyant en ma discrétion, en ma débrouillardise en cas de besoin, et bien sûr, en notre bonne étoile. Beaucoup d'autres m'ont fait confiance, et par cette confiance, m'ont permis de me construire, d'apprendre à affronter la vie. Je dédie cette Légion d'honneur à celui qui a partagé ma vie, qui a totalement partagé toutes mes valeurs, tous mes engagements. D'ailleurs, n'avait-il pas lui aussi un grand-père qui en était décoré pour son courage pendant la guerre du Tonkin? Là où il est, je pense qu'il nous regarde et partage notre joie. Et maintenant, c'est à vous que je la dédie. Vous, mes enfants, vous, mes petits-enfants, venus m'entourer aujourd'hui. Vous tous, les jeunes présents dans cette salle. Elle est le symbole de tout ce à quoi je crois. La valeur de l'homme, de tout homme. La valeur de la liberté. La valeur de la sincérité. La valeur du courage et de l'engagement. La valeur du dépassement de soi, oser vivre et savoir risquer sa vie quand il en a besoin. Ces valeurs, je vous les confie. À vous maintenant de les faire vivre, de les défendre. Comme on m'a fait confiance, je vous fais confiance. Et je sais que vous en serez dignes.